Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Engage. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super étant donné que nous allons commencer une nouvelle bataille pour débloquer Chrome et Darahen, des personnages que je connais de Fire Emblem, pas du tout Awakening, mais des personnages que je connais de Smash Bros Ultimate, Smash Bros 4 d'ailleurs je crois, qu'ils étaient également pas Chrome mais Darahen. Donc cool. Et puis voilà. Alors unité, je crois qu'on avait déjà choisi des unités, je crois qu'on avait déjà fait les permutations, les machins, je suis pas certain, hein. Cela dit. Ça me dit rien en fait. Ça ne me dit rien. Emblème. Non, ça ne me dit rien. On n'a pas fait. On n'a pas fait les emblèmes. On va virer Leaf. Ah mais non, on a Sidal. Sidal, il n'a plus Leaf. Il est où Leaf? J'ai viré Leaf. Il n'y a plus Leaf du tout. Eh oui, il n'y a plus Leaf du tout. Fogado, tu as Erika. J'ai plus d'emblèmes que de personnages, là. Quel est l'emblème qui a le moins fonctionné? Edelgard, Myles, Veronica, Hector, Corinne. J'aimerais bien mettre Leaf avec Diamant. J'aime bien le côté Hector, tank et tout. Mais il y a un côté polyvalent avec Leaf qui est pas mal. Qui pourrait être pas mal. Ça me plaît bien, on retrouve les cheveux rouges. Ça me plaît bien. C'est pas Roy, mais c'est pas mal. Et du coup, il faudrait que je mette Hector à quelqu'un d'autre. Ça marchait bien avec Diamant Hector, pour le coup. Je suis étonné qu'on ait plus de PV avec Leaf qu'avec Hector, vous voyez. C'est assez étrange. Qui c'est que je peux mettre avec Hector avec... Avec Rosado, je peux mettre. Plus que Ike. Eh oui, mettre Hector. Est-ce que c'est Ike qui va aller prendre du repos? Ça pourrait, hein. Ouais, ça pourrait. Ike, tu vas aller prendre du repos. Ça me plaît bien. Que tu ailles te reposer un petit peu. Sidal et Sigurd, c'est très bien parce que Sigurd, il permet à Sidal de se déplacer énormément. Il y a beaucoup plus de mouvement. Donc c'est pratique pour le danseur d'avoir pas mal de mouvement. Le reste, ça me plaît bien. Est-ce qu'on peut faire un tout optimisé? Par exemple, Diamant, maintenant qu'il y a Leaf, il lui met quasiment que des haches. Ce qui est étrange, mais vis-à-vis de la composition, c'est le seul qui a des haches en même temps, donc c'est logique, avec Rosado. Alors que j'ai d'autres épéistes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il me le met comme ça. On va combattre, let's go. Commencer la bataille, oui. Sans plus attendre. Combattez sans hésitation et avec toute la force dont vous êtes capable. Parce que il y en a un qui va gicler. Hein, parce que cet emblème, cette bague avec les deux emblèmes là, Chrome et Darahen, ça va directement prendre place. Je ne sais pas pour qui, mais dans l'équipe. Hein. Voyons si vous saurez vous adapter à notre stratégie. Cette barrière nous bloque le passage. Il faut trouver un moyen de la briser. Ça résonne. On. 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 Bling, 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 bling. On a compris qu'il faut taper les cristaux. Notre divinité, il semblerait que ces cristaux fournissent l'énergie nécessaire à la barrière. Essayons d'en détruire un et observons le résultat. Bling, bling. Victoire. Vaincre les emblèmes Chrome et Darahen. Défaite. Perdre Aléa. Je trouve Darahen tellement plus stylé comme nom que Robin. C'est juste... Non, je sais pas. Hein. Dites-moi. Mais perso, je préfère clairement Darahen. Alors. Embêtant, parce que c'est des cuirassés, donc on va plutôt faire comme ça, détruire. À moins que je le détruise à distance. On va plutôt se mettre comme ça, parce que ça reste... Brouillard. Ça reste Aléar, il est très fort. On va détruire juste comme ça avec l'éclair. Bzut. Paf. La barrière est toujours debout. Il va nous falloir briser tous les cristaux pour ouvrir le passage. Ah bah sans deck. On n'y avait pas pensé. Et est-ce que tu serais pas en mesure de... Si hein. H contre épée, je pense que c'est bon. Objet. Ah merde, je vais mettre objet, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Hop. Mettre Chloé. Vraiment, t'as de l'esquive et tout. Ça te va attaquer. Mettre ça comme ça. Ah, t'étais niveau 20 toi déjà? Non, niveau 9. C'est Chloé qui est niveau 20. Ah non, non, c'est bon, je vais changer sa classe. Et Aliar aussi. Hein. Les deux, j'ai fait ça. Où Aliar? Il est là. Ouais, ouais, je les ai changés. Ok. Ça me plaît bien, ça. On va mettre pas la lance contre la hache. Donc, du coup, Alfred, tu vas venir là. Toi, ici. Toi, là, ça me plaît bien. Et Yunaka au milieu. Je sais pas trop encore. En fonction de ce qui va se passer. 0% de précision. Évidemment. Ah, il a stoppé net l'épée. Enfin, la hache avec le coup d'épée. Bien joué. Sans effet. Très bien. 80% de toucher, un 0%. Un 0 dégâts et 0% de toucher, un 15 dégâts. Bien joué. Aliar. Aliar en toute sa splendeur. 72 PV le bonhomme. Il prend 0 dégâts et il tape tout. Ouais. Yep, yep, yep. Alors Chloé, tu nous fais la même, hein, s'il te plaît. Ah non, on est loin d'être la même. T'esquives, mais tu fais peu de dégâts. Bon, je préfère que t'esquives et que tu fasses peu de dégâts, que tu prennes la max et que tu mettes des dégâts, mais... Voilà, très bien ça. Cela dit, t'es en 30% d'esquive aussi, hein, donc c'est normal. Je prends moins de dégâts. Voilà. Par contre, diamant... Dommage de le laisser à 1 PV, quoi. C'est un peu triste. Il est vrai. Ah, malheur, les cristaux se sont reconstitués. Dans ce cas, il faudra agir vite. Nous devons tous les frapper avant que ce soit au tour de l'ennemi de passer à l'action. Ah, il y a des ennemis qui arrivent en plus. Ok, donc il va falloir laisser une troupe, une unité ici. En plus, d'aller péter ceux-là là. Ça commence à être intéressant stratégiquement parlant. Et en même temps, un petit peu emmerdifiant. Hein, je ne vous mens pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a quoi comme passif lui déjà? Comment je regarde ça? Unité. Non, c'est pas avec ça. C'est moi je crois. Voilà, hop. Sourire troublant, détail. Inflige esquive moins 20 à l'ennemi pendant un combat. Le combat si celui-ci est un homme. Ok. Cette unité initie le combat depuis la une case infranchissable par l'ennemi confère vitalité plus 5 pendant la durée du combat. Et confère vitalité plus 15. Enfin, cette unité a au moins 80% des PV et que l'ennemi initie le combat, l'unité peut effectuer une double frappe. Ok. Bon là, a priori, c'est un homme. On prend cher. Mais c'est qu'il a beaucoup de PV aussi, l'enfoiros. Et je comprends mieux. Pauvre Zado. Peut-être pas une bonne idée de les envoyer... On fait 0 dégâts avec ça. Paye ton dragon. Paye ton dragon, sérieux. Le dragon qui sert à rien. Ça, ça me plaît un peu plus déjà. Est-ce que j'invoque quelqu'un? On est un peu loin. Hein. Si je fais une attaque, plusieurs éléments. T'as pas la portée pour faire le super coup là. Cataclysme. Ouais, c'est naze un cataclysme, hein. C'est hallucinant. Ou alors c'est peut-être parce que c'est Hortensia qui est nul, mais... Avec qui j'attaque? Qui? Je pense que Aliar... Aliar, Alchrist. Ah oui, tu le tues largement, oui. Ok, très bien. Puis... C'est ton frère qui t'a volé la vedette. Bien joué. Tu fais vraiment rien d'autre comme dégâts.
faut que je change d'arme ou que je me mette en bailless. Si je prends les points, ça va... Voilà. Là, les points, on n'est plus sur la même. Hein. Pif. Et boum. Oh, le coup critique. J'adore Chloé Bailess. Franchement, ça marche vraiment très très bien comme, comme duo. Parce que Chloé, elle fait pas mal de trucs. Elle a pas mal de résistance. Et Bailess, elle lui donne tous les dégâts qu'il faut. Contre tous les types d'ennemis qu'il faut également. On préférait quand c'était eux qui nous attaquaient. C'est quoi le délire là? Hortensia? Ah, Hortensia. Inferno. Inferno. Ça me va, Inferno. Allez. Piou, piou. 22, essence anima. 22. Il meurt pas. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas grave. Vas-y, Alfred. Ta-da-da. Ça, ça dégage. Ok, donc ça c'est bon. Ah là là, on peut parler, admirer les progrès que je viens de faire. Il y avait les deux blondinés ensemble. Très très classe. Là vous allez crever, hein. Deux. Si j'en mets qu'un peut-être. Il n'y a qu'un qui vient, ça me va. Allez. Ici. Bon, je pense que Aléar, il en fait son affaire. C'est un peu chier de toujours faire appel à lui, mais... Après, je peux peut-être me mettre genre là. À la lance. Ven Dragunaire. Brouillard. Comme ça, j'augmente l'esquive. Et vous, je me débarrasse de vous. Je s'attaque à l'épée. Je brise ta garde en plus. Très bien. Je pouvais t'attaquer à distance, mais il n'y a pas besoin du tout. Maurice garde et but. Et Rosado, tu devrais le terminer. Parfait. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de brise, vu qu'on lui a brisé sa garde, il n'y a pas de contre-attaque. Et du coup, c'est pas mal cette tâche. Eh ouais, ouais, ouais. Paf. Toi, je t'avance. Toi, je préfère Véronica, invocation de héros. On a besoin de quoi? Contre la lance. L'épéiste. C'est la hache, hein. C'est la hache contre la lance, on est d'accord. C'est la hache. Je n'ai toujours pas intégré la chose, je suis d'accord. C'est une honte. Si, si, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas à épée contre lance. Hein. Palin, 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 palin. Tada. Création Berserker. Ouais. Pas fou, hein. C'est mieux que 3 étoiles, mais c'est pas fou quand même. Si je me mets là, tu vas te faire éclater. On va se mettre là. Voilà, hop. Ça servir d'appât, hein, cela dit. 7, loul. Oh, tu m'esquives pas ça, diamant. Bah enfin. Je les déplace, ça c'est cool. Allez, Aléar. Ça dégage. Le piaf. Taillade dans le gras. La même. Bien joué. Là, ça va être compliqué d'enchaîner par contre. On rendra pas de dégâts, mais on n'en infligera pas non plus. T'as lui qui se pointe, t'as eux qui se pointent, c'est très bien. L'ennemi a rompu sa formation. Est-ce le moment d'agir, Darren? Robin en anglais, évidemment. Absolument. Passons à la phase suivante de notre plan. Toute la zone est inondée. Est-ce là une stratégie pour entraver notre progression? Probablement, oui. Ah! Ah oui, effectivement. Ils nous ont bien eu, les Amphoros. Alors? Il n'y a pas du tout d'archer dans le... C'est disponible, là. J'ai même pas Fogado avec nous. Ta-da-da. Bon, Alcris là-dessus. Ah merde.
Ah, mais je sais pas ce que j'ai fait là. Je voulais attaquer moi. Pourquoi il m'a fait le stick directionnel? Bien trop sensible dans les menus sur le jeu. Je le dis depuis qu'on a commencé à jouer et ça n'a pas changé. Tintin. Hop, ça c'est fait. On peut attaquer. Pas spécialement intéressant, quoique. Peut-être pas. J'aimerais bien me mettre là. Et du coup, si j'avais su, j'aurais pas venu. Ah merde, ça suffit pas. J'aurais bien aimé, j'aurais dû mettre Alcris ailleurs. Je me suis précipité. Alors, ce côté-là, comment on va le gérer? Ah, les piaf, ça va être compliqué à gérer. Hein. Part avec Aléar. Et encore même là. Ah, la brochette, elle fait le café ici. Elle le fait pas là. On peut faire la brochette contre eux. On peut faire une brochette. Mais j'ai pas Sidal là avec moi. Ah mais non, mais j'ai ni Sidal ni Fogado. Je me suis fait fourvoyer en fait. Je me suis fourvoyé, je crois que j'avais plus de troupes que ça. Ah bah merde. Merde. C'est intéressant. Je me suis fait couillonner là. Alors toi, tu le tues ou pas? Et le problème, c'est qu'il peut plus bouger lui. Alors que lui, on le tue comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien ça. 39%, ça me plaît moins bien. Ça me plaît moins bien. Après, ça peut servir d'appât. Hein. Ça peut servir d'appât. Ah, parce que j'ai aucun moyen de... C'est là, si. Avec l'éclair. On va pas pouvoir les gérer, eux. Hein. Rosado, je crois pas que tu puisses faire quoi que ce soit. Si j'attaque... Eh non. Non. Et lui? Non plus. Ah, tu fais pas assez de dégâts, hein, c'est chiant. Mérine non plus. Ah, ça va être embêtant. En même temps, on ne tue pas. C'est pas le scandale là. C'est scandaleux. Bateau. Yato. Bon, à un moment, on va falloir y aller. Hein. Il va falloir faire des trucs. Hein. Allez. Rugissement torrentiel, je pense que ça c'est pas mal. Ça en tue 2 pour 1. Pro du dragon. Boum. Une semi-brochette. Venu élixir, envoyé au convoi. Ensuite, si j'envoie un truc genre attaque, Rosado comme ça, c'est très bien aussi. C'est pas si mal. Voilà, 65%, on avait une chance de se foirer. Hein. Non négligeable. Mets-toi là, tu vas te faire agresser. On va se mettre en dragon, faveur divine. On va pas le mettre sur Aléar. Ah, esquive moins 30, non, on va éviter. On va éviter l'esquive moins 30 là.
Hop. Ah, est-ce que je peux l'attaquer d'ici? Non. Et bah du coup, rip. On va attendre. Juste les deux là, comme ça. De ce côté maintenant, comment on gère la situation? Si je me mets là, est-ce que... Chloé, tu peux te mettre au milieu là. Parfait. Tu le peux. Donc on va te mettre là. Comme ça, toi, tu attaques. Tu devrais le tuer. Parfait. Paf, paf. Ensuite. Toi. Ah, tu peux pas aller là, merde. Elle crisse non plus. Cela dit, toi, tu peux faire. Tu sers à rien d'aller là. Amir ne suffit pas. Maison unie. Maison unie. Va pour maison unie. Ta la ta ta. Boum. Très bien. Ensuite, toi, si je fais la tempête, je peux faire le piaf là-bas, je peux pas faire ce piaf là aussi. Ah, 15 x 5, c'est quand même pas mal. Plutôt faire celui-ci. Tin, 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 tin. Piou. Toi, je t'esquive. On a souvent vu. On va faire la danse de la déesse, je peux pas faire avec Hortensia. Donc tant pis. Parfait. Là, tout le monde danse. Ils peuvent rejouer. On va plutôt faire ça comme ça dans ce sens du coup. Hop. Attaque Amir. Non, aïe. Comment on prononce ça? Aimer. Toujours prononcer ça Amir, mais non. Le Y il est avant le M. Bref. Aimer. Très bien. Ensuite nous avons ça au convoi. Très bien. Diamant. Tu vas là. Ça dégage. On tape, pif. Paf. Boum. Successeur niveau 18. Et je pense qu'Alcris du coup peut aller là. Ça me perd mon esquive, c'est un peu chiant. Ah, si je me mets là. Non. Mais je l'attaquais, tant pis. Hein. Tant pis pour l'esquive. Il y a quand même une très bonne esquive de base, donc même si on perd 30, c'est pas le petit magicien qui va nous faire mal, je crois. Hop. Il ne reste plus que toi. Qui ne peut pas faire grand chose. Ouais, il attaque, mais on s'en fout un peu. Donc on va se mettre là. Et puis voilà. Pareil pour toi. Et c'est parfait. Lui s'avance, on a nos magiciens contre eux, c'est plutôt bien. Bon, au pire, tu prends 6. Ça devrait le faire. Ah là, c'est un peu plus embêtant. Ah mais c'est la création, on s'en fiche. On s'en fiche qu'elle crève. Elle servait d'appât justement. Faudrait juste pas qu'ils reviennent quoi. Ça commence à être un peu embêtant. Mais je pense qu'ils vont revenir. C'est possible que ça revienne, ouais. Ah, il y en a d'autres. C'est pas les mêmes. Ok, là ils sont en formation totale. Il est loin hein, le cristal. Hein. Ça va être compliqué là. Pas pouvoir y aller tout de suite.
Bon, l'avantage, c'est qu'ils m'attaquent pas non plus. Derrière leur barrière. Tu fais vraiment rien, là? Un Rosado, c'est pas le meilleur investissement. Hein. Pour le coup. À la grande hache. Ça, ça me va. Allez. J'accepte. Oh non, Rosado! Il y avait combien de pourcentage? J'avais pas vu. Oh merde. Bon bah flûte alors. On est un peu dans la mouise là. Parce que même eux là, ça va être compliqué à attaquer là. Aïe. Ah! Fuck. Quadruple coup, on le tue pas. Eh, parce qu'il est ici pas mal de trucs, ouais. Je tenais qu'il prenne pas autant de dégâts avec la hache. Il prend pas tant de dégâts, hein. Ça m'embête un peu. Oui, je peux même pas attaquer. Ah, c'est chiant, ça. Elle est loin, l'époque, là. Ouais. L'époque, on faisait des dégâts, là. Aïe. On peut pas se déplacer, là. C'est un peu triste. Tac, épée du créateur. Ouais, bon. On prend 22, hein. Pas cool. Pas spécialement envie de détruire ça maintenant, cela dit. On le tue, lui, hein. On le tue, mais à quel prix? Ah, c'est embêtant, parce que eux, on les tue, très probablement, même pas. Si, avec attaque Bolganon, on le tue, mais... Ah, et c'est quoi, ça? Waouh. Fait des dégâts aussi. On va prendre le bâton, on prend pas de dégâts. C'est très mal, le bâton. Allez. Paf. Repaf. Hop. Le problème, c'est que eux, ils nous agressent, là. Ils nous agressent. Avance là, s'il te plaît, merci. Cataclysme, non. Attaque, oui. Configuration, c'est très bien. Oh, merde, il meurt pas. Oh, il meurt pas, saloperie. C'est honteux, hein, quand même. C'est un peu honteux, ce qui se passe, là. Ouais, 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 on n'est pas bien là. Hein. Pas vous mentir que. Non, mais même toi, tu fais rien. Attaquer, on va attaquer eux. Voilà, là tu le tues. Y'a que Yato qui tue. Y'a que Yato qui tue. Et bah prends Yato. Hein. Prends le Yato dans la gueule. Bien, bonne intervention, Sayunaka. Paf. J'ai un peu peur là, je vous avoue. Que eux nous emmerdent là. Est-ce que je ferais pas une bouclier de lien? C'est que les adjacents. Est-ce que je peux faire venir un diamant là-haut? Et non, merde. Je peux le faire venir là. Est-ce que je peux faire venir Yunaka là? Je peux faire venir Yunaka là, très bien. Je vais mettre celui-là.
Pas faire venir Chloé plus loin. C'est dommage. Ah, je peux faire un tutoriel de la résistance. Ça me plaît ça. Claude, je... ouais. Capacité, il n'y a pas Astro déchu quelque part là. Non, j'ai pas la portée, merde. Fait chier. Du coup, on va attendre quand même. Voilà, hop. On va faire venir Yunaka ici. On va lui dire fusion, bouclier de lien. Et là, on va mettre Chloé ici. Tutorat de la résistance. Ouais. Parce que sinon elle prend les dégâts. Ah non, je peux me mettre sur la flotte, elle prend pas les dégâts non plus. Très bien. Ça prend en plus Ivy et Véronica. Ok. Toi. Tu fais rien. Tu le tues pas lui? Ah si, quand même. On va tuer lui du coup. Hein. On va tuer lui. Okay, critique, très bien. Ça nous emmerde un peu. Il va nous emmerder un peu. Ok. Et puis bah, c'est à peu près tout. Hein. J'ai un peu peur pour Rosado, je vous avoue. Il va prendre cher. Vaut mieux que je te mette en. Comme c'est eux là en bas. Ils vont nous taper. Hein. On va faire juste ça parce que on peut. Hein. Paf, il y a même une attaque enchaînée. Pas mal. Elle est vendue. On va prendre cher. Hein. On va prendre très cher là. Mais bon, l'avantage c'est qu'on le tue. Ça c'est plutôt cool. Au niveau 9. Yao qui se pointe. On prend 27 ans. Hein. Et ce malgré 80% de résistance, c'est très con. Ah merci. Et merde. Faut pas que ça va suffire par contre. Ah si, elle peut le refaire. Oh mais c'est gentil ça. Trop bien. Merci Yunaka. Aïe. Ça pique un peu ça. Mais il reste les trois chevaliers en bas, hein. J'ai très peur. Aïe, même Aliar il... Ouais. Ouais. Elle en prend une mais pas la deuxième je crois. Ouais c'est ça. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Enfin, c'est dommage que ça l'ait pas fait sur la première d'attaque. Parce que là, la double attaque, on se la prenait, mais. Technique de classe apprise, boitement. Ah, le problème, il est là. Hein. Ah. Le problème c'est que là, je vois pas trop comment je peux gérer la situation autrement. Il faudrait que je prenne en considération un tour encore avant. Ah mais même là, il faudrait que je recommence toute la bataille. Hein. En vrai. Rosado a attaqué, ça c'est de la merde, elle s'est foirée. Alchrist. Je suis pas obligé de le... Il a rien fait Alchrist, il a tué le truc. Advi elle a attaqué, ouais. On va refaire la phase joueur. On va se redonner une chance. On va peut-être s'occuper plus de eux que de eux. Parce que eux, ils attaquent jusqu'où en fait? Ah bah c'est ça. Je me suis mis pile au mauvais endroit en fait. Parce que je peux gérer les attaques de eux si je les tue. Ok, my bad. Bon, alors. Attaque. On avait dit, il n'y a que Yato. Donc, Yato. Ça
ça on en est sûr. Ça dégage. Hop, ensuite. Toi tu fais rien. Toi on avait buté lui, ce qui était pas mal. Cela dit, il fait pas grand chose, ça peut attendre. Est-ce que je peux pas utiliser plutôt ça? Non, merde. Est-ce que je fais deux fois des coups, et des coups critiques? Il y a 32% de chance, ouais, mais si je le foire, ça sert à rien, quoi. Je préfère tuer lui, à la limite, en faisant ça. Allez, tu me fais le coup critique, là. Mais saloperie, Mérine! Putain, une fois, quoi. T'as besoin que d'un. C'est chiant, là. 75. Allez, va. C'est mieux que 69. On est à 36 minutes d'épisode, là. J'ai dépassé largement sur le temps. Yes, j'étais embarqué par le combat. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite de cette bataille qui s'annonce difficile. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. Et à probablement demain. Ciao, ciao tout le monde.